L'histoire de Bob Risk ici là va apprendre beaucoup de choses à certaines personnes. J'ai dit, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais je décide de faire cette vidéo parce que vraiment, dans ce monde où nous vivons, hein, je dis que à ne pas faire confiance à qui que ce soit. Je dis et je redis et je redis. L'histoire de Bob Risk ici là vraiment. Ça m'a fait me rappeler de beaucoup de choses. Quand tu dis ta chose à quelqu'un, ou bien quand tu ouvres ta bouche pour dire aux gens que voilà, voilà, ne te couche pas et tu dors tranquillement en te disant que, oh, j'ai dit ma chose à telle personne, la personne va garder pour moi. Dans ce monde-ci là, présentement où nous vivons-ci là, oublié. Si tu as ta chose, et que tu cherches même à qui parler. Il dit, c'est préférable pour toi de garder dans ton ventre. Même si c'est quoi, va avec, rejoins tes ancêtres avec. Parce que le monde, si. La famille. Ça, c'est partie 1 en tout cas. Vous vous rappelez du moment où l'histoire de Bob Risk et tout cela, quand est-ce on a dit, oh, Bob Risk, il allait faroter le Naira, oh, au Nigeria, on ne farote pas le Naira, c'est cela, oh, on a dit que Bob Risk achetait la maison de 450 millions de Naira, oh, il a vu l'argent où les nièces sont venues maintenant, on a pris Bob Risk. Même on les appelle quoi, IFCC du Nigeria, qui sont responsables de ce qui concerne bon la d'argent, ils sont venus aussi, ils ont mis les mains, on a pris Bob Risky. Avant d'entendre ABC, ils ont fait une plaque que tout le monde a vue sur les pages en disant que Bob Risky, oh c'est cela, selon le temps, 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 dans le livre de temps, 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 pour ceux qui ont fait le droit, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà comment un temps de mouvement, on dit que wow, Bob Risk il va au Ngata pour 6 mois. Non! Il dit que je donne le chapeau au pays qu'on appelle le Nigeria. Je leur donne le chapeau. Il dit, je les salue. Je m'agenouille même pour les saluer parce que non, 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 non. Après l'histoire de Bob Risk, non! Il dit que non, je. Quand ça, c'est encore une confirmation que non, le Nigeria, vous êtes fort. Donc, comme on a entendu et on a vu et on a lu sur les réseaux sociaux que Bob Risky va aller au Ngata pour 6 mois. Nous tous, on savait que Bob Risky était au Ngata. Pour ceux qui ne connaissent pas Bob Risky, allez juste sur Google. Hein, c'est celui qui s'est dit femme au Nigeria. Bon, il est tellement populaire. Ou c'est elle, pardon. Oh, pardon. Oh. Il ne connaît pas s'il avait dit elle ou c'est il. Bon, elle est populaire au Nigeria. Avec, je pense, plus de 5 millions de suivis seulement sur Instagram, non? Donc, on a dit que Bob Risk devait aller au Ngata pour 6 mois. Les gens cherchaient Bob Risk partout sur les réseaux sociaux. Que, mais ça, c'est quoi, Bob Risk? Tu nous as entretenu quand même sur les réseaux sociaux avec tes vidéos de riz et tout cela. Comment les leçons, comment prendre l'argent à nos bouboubous et tout. Mais Bob Risk, wow, tu es que où depuis? Normalement, Bob Risk devait sortir en octobre, comme on avait compris. Mais après un temps de mouvement, on a entendu que Bob Risk devait sortir en juin. Voilà comment le moment arrive pour Bob Risk de sortir. Bob Risk qui sort dans une voiture et tout, on fait les vidéos. Les gens disent que, mais Bob Risk, si, il était vraiment Ongata. Comment quelqu'un part Ongata, la personne ressort, il est frais, ou c'est, elle est fraîche. Comme quelqu'un qui avait fait un petit voyage et tout et tout. Voilà ce jeune homme au nom de Very Darkman qui est aussi, je sais pas où celui-ci sort que de quel plat. Il dit que celui-ci a ce qu'on appelle quoi le kilo. Donc, il n'a, il dit, l'histoire de Very Darkman, je pense que on va commencer à faire ces histoires-là parce que vraiment, je vois que le monsieur-ci, il a vraiment le talent et il a, je vais dire quoi, il connaît son travail. Véritablement, que vous voyez cela, c'est aussi un Nigérian qui s'est levé un matin. Il a commencé à dire que je suis la voix des gens sans voix. Et jusqu'à présent, il ne fait qu'aller en avant. Malgré que lui aussi, il allait au Ngata plusieurs fois et ressorti. Et lui et Bob Risky, ils avaient aussi d'ailleurs eu les palabres. Mais
Il reste dit, mais Bobrisky, tu es allé au Ngata. Tout le monde était là pour dire que Bobrisky est allé au Ngata. Il sort étant, ou c'est elle sort étant fraîche comme un. Bon. Bobrisky a commencé à mettre ses vidéos, vivre sa vie. Non, l'anniversaire de Bobrisky, c'est mal, au gâteau était à 15 millions. Il y avait que l'habillement, vous pouvez aller sur sa page. Non, Bobrisky, c'est pas le genre de il ou elle qui est, il a dit, qui est plat ou c'est quoi qu'on appelle. Non, pour Bobrisky, lui, il vit sa vie. C'est comme cela, il a continué à vivre sa vie normale et tout, et tout, et tout. Voilà, je sais pas où il s'appelle, comment, il contacte Very Dark Man aussi, que ouais, mon frère, depuis ton travail que tu fais sur les réseaux sociaux, j'apprécie, j'ai un palap avec Bobrisky. Bobrisky m'avait prêté mes 4 millions. Maintenant, je dis à Bobrisky de me remettre mes 4 millions. Bobrisky me donne le chantage. Donc, celui-là avait prêté 4 millions à Bobrisky. Et Bobrisky a dit que ouais, je vais te donner en septembre. Septembre arrive, Bobrisky, on écrit Bobrisky, Bobrisky, il change la bouche. Bobrisky commence à dire, pardon, ne me dérange pas. Il y a beaucoup de gens comme cela. C'est pour cela que moi, Josie, même comme je n'ai pas, même si c'est simple, si quelqu'un me demande l'argent que prête-moi, je préfère, je donne à cette personne et je me couche tranquille. Parce que vous connaissez les gens qui ont dit que prête-moi. Si tu n'es pas déjà entré dans le prête-moi, dis que Dieu merci. Tu es déjà entré dans prête-moi, pardon. Ouais, le mois prochain, je vais te donner. Après, ça devient le palabre jusqu'à ce que tu deviennes que la personne la plus. Hey! C'est comme cela que Bobrisky change au gaillard. Le gars dit que ouais, l'argent là, c'était pour compléter, acheter ma maison. Et j'avais même pris la hand de quelqu'un. Je voulais aussi donner l'argent à cette personne. Le délai même est déjà passé. Pardon, Bobrisky, donne-moi mes 4 millions que je t'avais prêté, non? Bobrisky dit que pardon. Quand tu étais venu au Nigeria, tu m'avais donné un petit bisou là. Tu m'avais donné l'argent. Pardon, quitte dans mon inbox. Le gars dit, moi, tu parles à moi comme ça là. Rappelle-toi que tu étais venu prêter mon argent et je te donnais avec un cœur. Maintenant, pour me remettre mon argent, tu commences. Il écrit à Bobrisky, Bobrisky ne répond plus. Il écrit à Bobrisky, Bobrisky ne répond plus. C'est comme cela. Il va alors dire à Very Dark Man qui est comme la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et Very Dark Man, c'est là, quand ton histoire entre dans son inbox, dit au revoir. Parce que, fais quoi? Celui-ci là, il gagne toujours. Voilà que Very Dark Man est sorti sur les réseaux. Dis à Bobrisky que Bobrisky, ce n'est pas parce que moi et toi on a eu les palapes. Mais voilà, telle personne est entrée dans mon inbox, me dit que tu lui dois 4 millions et tu ne veux pas donner ces 4 millions. Maintenant, tu veux faire le chantage qui t'avait donné une bise. Tu veux dire au monde entier comment lui et toi vous avez vécu au Nigeria. Cela ne me concerne pas. Mais ce qui me concerne, c'est que il t'avait prêté l'argent. Remets-lui son argent simple. Voilà, nous sommes déjà en quel mois? Il t'avait dit septembre. Septembre est passé. Mais remets-lui son argent. La famille, c'est devenu que le woyo woyo. Voilà, Bobrisky qui fait une vidéo de danse pour dire que donc ce que Very Dark Man a dit là, ça ne lui concerne pas. Bobrisky a fait la vidéo de danse. Very Dark Man a fait une vidéo que vous voyez. Je ne sais pas si je vais laisser la vidéo jouer parce que c'est en anglais. Very Dark Man dit que Bobrisky te donne 4 de temps de remettre l'argent de ce gars. Sinon, comment Bobrisky a fait comme si personne ne le parlait. Après quelques instants, Very Dark Man, il a joué la voix de Bobrisky. Un audio. Comment Bobrisky lui-même disait à ceux, on ne sait pas à qui Bobrisky parlait, mais selon l'audio, ça montre que Bobrisky avait tellement confiance à cette personne avec qui, ou c'est elle ou c'est il parlait, en disant que je n'ai même pas fait l'ongata, là où je suis ici, là, je vis confortablement, je suis ceci, les gens pensent que je suis ongata, j'ai payé 15 millions pour que les gens là puissent retirer mon nom sur ceci, c'est là, et quand on m'a envoyé ongata, je suis arrivée là-bas, j'ai encore payé ou c'est combien de millions pour qu'on puisse me donner une petite, ou c'est un petit appartement, j'ai appelé telle personne, l'un de mes beaux-pères, maman, le nom des gens dans l'audio. Il a dit, quand Bobrisky a vu la vidéo là, Bobrisky dans ma maladie, il a beaucoup de preuves. Mais que pour l'instant, c'est que partie 1, que s'il donne quelques heures à Bobrisky de remettre l'argent du gars là, que lui, il n'aime pas ça.
Bob Risky, quand il voit la vidéo, il sort avec ceci que vous voyez sur l'écran. La voix que vous comprenez là, c'est pas ma voix. Oh, c'est là, c'est pas moi. Je connais pas de quoi on parle sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais dit que j'avais payé 15 millions. Oh, en tout cas, tout c'est... Maman! Bob Risky, toi aussi. Donc, quand on entend même ta voix dans l'audio là, tu as dit tellement de choses en quelques minutes. Et il y a les gens comme Bob Risk qui l'a beaucoup. Même moi, je sais qui vous parle. Avant, j'étais comme ça. Je vais faire quelque chose. Je n'ai même pas encore fait. J'ai déjà annoncé à qui veut entendre. Hein? Je n'ai même pas encore mis pied pour faire quelque chose. La personne que tu dis que wow, tu donnes même, que tu crois en cette personne, que wow, la personne ne peut même pas parler. Dès que tu raccroches le téléphone là, la personne là déjà, tu sais si la personne est en train de t'enregistrer, tu sais, parce que la personne enregistrée, Bob Risk ne pouvait pas imaginer un seul instant que Very Darman avec qui elle ou il a eu les palabres auparavant avec cet audio, la famille. Je peux vous dire que dans la vie, si là, ne faites confiance à personne. Je ne suis pas en train d'affirmer que vrai, c'est là. Bon, les écritures peuvent bien se lire sur le tableau. Et à l'heure que je vous parle, il y a une personne qui était du côté du de Bob Risky aussi, qui a mis une vidéo de Bob Risky dans l'appartement là, que Bob Risky avait envoyé jusqu'à... Donc, Bob Risky était dans l'appartement là comme cela. Iko, ou c'est Hello, causa avec les gens, yeah! Avec le téléphone et tout, avec la robe, ou c'est le pantalon de nuit, c'est la robe de nuit. Eh, maman, on peut faire ça. On dit que quelqu'un doit aller au Ngata. Donc, dans la vie, là, c'est les gens qui n'ont pas l'argent. Yeah! On dit comme ça que l'argent est aussi bien aux mamans. Hein? Donc, c'est les gens qui n'ont pas l'argent maintenant qui vont au Ngata. Ceux qui ont l'argent, on les donne les appartements. Ah! Ouh, lé, 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 l